What's up mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi aujourd'hui c'est un putain de plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on reprend à l'ancienne, voilà, les petits colis qu'on va ouvrir ensemble. Et je vais vous donner mes avis sur ce que j'ai reçu tout simplement. Et ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait ça les amis. Ça doit faire au moins 2 ans si c'est pas plus. Non, non, pas quand même, on va pas abuser. En tout cas, voilà, je suis super content et super ému et vous allez savoir pourquoi. Alors, la vidéo va sûrement être passée après le Purpose Tour de Justin Bieber. Comme vous l'auriez vu sur le titre, voilà, j'ai la chemise à Justin Bieber. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous mettre des images sur le côté de la vidéo, ici. Ou ici, ça dépendra de mon humeur ou de mes envies, ou peut-être les deux même, on ne sait pas. Et comment vous dire, je suis super ému de l'avoir parce que c'est une veste, enfin c'est une chemise que d'ailleurs j'ai kiffé dessus de ouf. Et en plus de savoir que mon idole a totalement la même au détail près, c'est quelque chose pour moi qui est important en fait. J'essaie pas de recopier sur son style ou quoi parce que j'ai pas les mêmes tenues, j'ai pas le même délire que lui. Lui il est plus poussé un peu plus dans l'extrême. Moi c'est un peu plus posé, on va dire. Mais en tout cas, voilà. Je suis super content en fait. Donc je sais pas trop quoi dire. Donc je suis désolé pour ma tête ou pour ma voix. Je suis réveillé depuis 30 minutes. Là je me suis lavé vite fait. Enfin, je me suis lavé vite fait, je me suis bien lavé, mais ça part trop loin. Genre, je suis en train de me justifier sur mon lavage, sur ma douche, sur mon bain. Et genre, je me suis habillé et tout pour que ça aille vachement bien avec. Et on va déballer ça ensemble. Donc, c'est parti. Ah là là, ah là là. Donc, bien entendu, c'est pas la veste officielle que Justin a. Si vous avez cru ça, c'est débile un petit peu parce que je peux pas avoir une veste que Justin a eue. Mis à part celle de Sean Paris où c'est lui qui l'avait portée vraiment. Mais là, non. Là, c'est une copie, on va dire, de sa veste, parce que bon, c'est des prix exorbitants. Sa chemise, elle doit être à 500 et quelques. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress à 25 $, je crois. Donc voilà, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une étiquette Big Sam of the Fashion. Yes, my accent is beautiful. Donc voilà. Donc, ah, je suis désolé, je suis complètement mort et tout. En plus, j'ai pas eu un bon réveil ce matin, donc c'est vrai que là, je suis un peu KO. Ah là là, putain, ça fait plaisir. Et en fait, cette petite chemise-là a une particularité. D'une, elle est oversize vers l'arrière, elle est arrondie comme j'adore. Mais en plus, enfin, j'en ai une. C'est une chemise avec les petits zips sur le côté et tout. Franchement, je suis super content. Donc voilà. Voilà comment elle se présente. Donc malheureusement c'est une taille unique, donc je sais vraiment pas si ça me va aller ou quoi. Au niveau des épaules, ça a l'air assez petit et tout. Voilà. Là on peut voir les petites fermetures et tout, super stylé. De toute façon, je vous prendrai en vidéo en détail juste après, il n'y a pas de problème. Ou je vais le faire là maintenant et vous le verrez sur le côté de la vidéo, là ou là, comme je le voudrais sur la vidéo. Donc voilà, on peut voir le petit côté oversize ici. Je suis super super content, c'est un truc de ouf. Comment vous dire aussi que je suis super désolé de la qualité de la vidéo, malgré que je pense que c'est pas aussi dérangeant que ça parce que mon téléphone il a une bonne qualité vidéo. Mais c'est qu'en fait, comme vous le savez, je suis plus avec Flavie et c'est définitif. Et j'en parle pas pour le plaisir, c'est juste pour me justifier sur le pourquoi du comment j'ai plus trop la qualité en fait. Donc l'appareil photo et le trépied étaient à elle, donc enfin je me devais de lui rendre même s'il y a une rupture assez compliquée. Donc voilà, on s'est revu entre guillemets et je lui ai redonné ses affaires de toute façon, donc je n'avais pas à les garder. Et bref, donc voilà, donc j'essaierai
J'essaierai de me payer un appareil photo et un trépied au plus vite. Étant donné que c'est pas donné et que j'ai pas de travail, j'attends encore un appel pour un CDI. Donc c'est vrai que ça va être assez compliqué, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours le recours du téléphone et je pense que c'est assez. Enfin, pour le, ça suffit amplement, je pense, pour YouTube, sachant que ça vous dérangeait pas, la qualité, vous la trouvez super bien au niveau de ce portable-là. Donc voilà. Donc j'espère qu'en tout cas vous avez vu un petit peu les détails sur le côté de la chemise. Là, on va essayer. Enfin, bon, on va l'essayer. Et puis ça va être un putain de plaisir. Un purée de plaisir. Je vous jure. Quand on me réveille, d'habitude je parle pas, je suis un gros ourson. Je parle pas du tout, faut pas me parler, faut pas me péter les burnes. Et là, j'étais tellement excité de l'avoir reçu et tout que je me suis dit, c'est obligé, il faut que je la fasse direct cette vidéo. Et voilà. Donc vous l'avez vraiment dans les moments de ma vie les plus calmes normalement et les plus silencieux. Donc voilà, à tout de suite pour l'essai. Donc voilà mes pépites de chocolat. Bon, en fait, j'ai remarqué sur l'étiquette, comme vous l'auriez pu voir sur les détails, en fait, que la chemise, j'ai du mal avec la chemise et la veste, était en fait de taille M. Donc apparemment, elle n'est pas de taille unique, puisque c'est une taille M. Et tout simplement, voilà, je préférais le préciser à voix haute, plutôt que si vous ne l'auriez pas vu et tout sur l'étiquette, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Le fait qu'elle soit vachement ample, c'est fait exprès en fait. Même si j'aurais choisi S, ça aurait été vachement ample au niveau d'ici et tout. Donc, il n'y a aucun problème. Donnez-moi sincèrement vos avis sur comment ça rend en fait. J'aimerais vraiment beaucoup avoir des avis vraiment constructifs et savoir vraiment le rendu, voir si ça donne bien ou pas. Bon, sur Justin. Sachant qu'il est plus grand, il fait au moins 1m75 voire 76, je crois. La chemise, elle s'arrête à là. Donc, elle est un peu plus, elle est un peu moins grande. Moi, comme je suis petit, voilà, ça donne pas pareil du tout. Après, vous voyez qu'on peut fermer, on peut ouvrir vraiment comme on veut, comme on le souhaite. C'est vraiment au bon vouloir de la personne. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, voilà, on peut vraiment ouvrir et tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc moi franchement, alors d'une, la coupe, j'adore à un point extrême. J'adore vraiment, vous pouvez voir que là ça suit vraiment l'oversize du truc du débardeur Six Dune. Voilà l'arrière. Au niveau des bras, ça coupe au niveau des coudes, c'est ample, c'est large. Voilà, ça s'affine au niveau de la taille et tout. Ça colle assez bien aux pectoraux. Franchement, belle coupe au niveau du devant. Voilà, qui est comment dire. En fait, ça fait carré et après, ça revient en arrondi pour passer sur le zip. Et ça revient en arrondi, hop, beaucoup plus grand. Ça revient en carré et tout. Donc voilà. Moi, j'ai mis ça. Je suis désolé pour mes cheveux, j'ai pas eu le temps, ils ont pas séché, donc du coup c'est un peu galère pour la coiffure. Donc j'ai mis ça avec le débardeur Six June, donc comme vous le savez, avec le zip aussi, hein, autant tout faire en mode zip. Avec le Sarwell de chez H&M zippé sur comment dire le bas des ourlets, enfin sur les ourlets quoi tout simplement, et avec les Adidas NMDR1 Blue White qui d'ailleurs va super bien avec la chemise. Donc je vais la repasser après, parce que c'est vrai que là c'est un petit peu le bordel. C'est un petit peu le bordel, là c'est pas repassé du tout, donc du coup c'est un peu froissé, même beaucoup. Donc j'aimerais vraiment avoir des avis sur cette tenue, et j'espère qu'en tout cas ça vous a grave plu, parce que moi c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo-là pour vous. Bah, comme d'habitude en fait, puisque de toute façon c'est ma passion, donc bon, je vois pas pourquoi ça serait pas un plaisir. Enfin bref, donc voilà, j'espère vraiment que vous avez vraiment reconnu et que voilà, si c'est la chemise de Justin, donc c'est vraiment un truc de ouf. Donc normalement, je suis venu comme ça. Je viendrai comme ça à Paris. Je suis pas trop sûr encore pour le moment. Je demanderai des avis à des amis et tout. Et surtout à mon meilleur pote Xavier. Donc d'ailleurs, coucou à toi, poto. Je te fais la bise.
te fais une bisou sur la fesse droite, sur la fesse gauche aussi si tu veux. Je sais très bien que s'il regarde cette vidéo, il est en train de rigoler comme un gros con. Je sais très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, mes pépites de chocolat. Je suis désolé pour le cadrage, je suis désolé si tout n'est pas très bien dans cette vidéo. Je suis désolé si voilà, s'il y a des problèmes vraiment de luminosité, etc., etc. J'essaierai de regarder pour essayer d'arranger vraiment tout ça, parce que c'est vrai que là, je suis dans une petite passe de difficulté au niveau vidéo. C'est comme ça, de toute façon, donc bon, je vous ai quand même gâté ces derniers mois niveau vidéo, hein, donc voilà. Écoutez mes pépites de chocolat, j'espère que la vidéo vous aura plu, je sais que je le répète depuis tout à l'heure, mais sinon je vais jamais réussir à dire au revoir. Je vous retrouve très 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 bientôt dans une prochaine vidéo, je sais pas pourquoi, peut-être pour le Cœur Post-Tour, pourquoi pas, peut-être une petite édition, je sais pas, faut que je voie avec YouTube si... j'aurai le droit, par rapport au droit d'auteur et tout, de mettre ça, parce que ça c'est, avec les nouvelles lois YouTube, c'est assez compliqué. Je vous dis à la prochaine. Peace, mais pas sur moi. Pouh.